Moi c'est Auguste. Sandra. Sandra. Enchantée Sandra. Une personne que tu ne connais pas, ta couche, quel est le premier critère? Point d'interrogation. La manière m'a abordé. je sais pas. Ah, quand on passe, il est là. Il sent et tout. Qu'est-ce que tu regardes? Son allure, son apparence. Son apparence. C'est d'abord ça que tu regardes. Donc, genre, il est charismatique, il est avec un talent, il démarche un genre, un genre. Hey, laisse-le dire. Quoi? Ils sont moins forts. Bonsoir ma chérie, moi c'est Auguste. Ma chérie sanguine, mais tu as l'air dépité là, j'espère que ça va aller. Ok, si on t'a posé hier, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Ce qu'on aimerait savoir, nos internautes, lorsqu'un garçon te t'accoste en route, quel est le premier critère qui t'en tient en lui? Donc là, c'est quelqu'un qui est sale, tracé ta peau, t'accoste, tu vas t'arrêter de répondre. C'est le critère là qu'on aimerait savoir, le premier critère quand j'accouche. En fait, les gens vont en place, ça ne sert à rien pour moi. Donc, ça, c'est. Il y a quand même le minimum, non? Oui, qu'ils sont moins pauvres, c'est déjà ça. Pauvres, bien habillés. Bien habillés, oui. Même s'il est court, il est plus court que toi. Non. Donc, c'est des garçons grands et taille à l'autre. Oui, c'est vrai. Donc, grand et taille, propre, chaud. Mignon comme moi, ça passe. Ok, je te remercie. D'accord. Moi, c'est Auguste. Sandra. Sandra. Enchantée, Sandra. Ok, ce que tu as déjà, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Ce qu'on aimerait savoir, qui nous est notre sujet, ici. Lorsqu'un garçon t'accouche pour la première fois, non, un garçon que tu ne connais pas, quel est le premier critère que tu regardes en lui? De manière globale, comment il est beau, il est mince comme moi, il est beau, mignon comme moi, grâce ou bien, qu'est-ce que tu regardes? Il tient un peu ce que tu as. Mais c'est mauvais d'aller. Non, mais quand elle va parler, tu vas sentir, non? Bon, si tu veux décrire de manière générale, tu peux faire un petit dessin, tu vas dire quoi exactement? Tu veux faire une description globale, tu vas dire quoi du garçon? Mignon, élégant, beau. C'est la bonne chose. Non, de manière générale, il est que propre et mignon. Ok, même si c'est ce qui me prend bien. Exactement, moi je n'ai pas voulu dire. Même si il bégait, oui, ça dépend. Ok, je te remercie. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Auguste. Moi c'est Marina. Pardon? Marina. Marina, oh là là, comme dans la série Marina. Très joli prénom passant. Donc c'est la cause là, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Ce qu'on aimerait savoir et nous c'est internautes ici est. Lorsqu'un garçon t'accouche, quel est le premier critère que tu regardes en lui? Pardon? Lorsqu'un garçon t'accouche, quel est le premier critère que tu regardes chez lui quand t'accouche la première fois? Que tu ne connais pas, ta couche, quel est le premier critère? La manière m'aborder. La manière t'aborder, donc l'expression orale. Ouais. Donc, même si le gars est pour les crasseux, tu as que seulement s'exprime bien. C'est sa manière d'exprimer d'abord. Peu importe son gabarit. Poliment, si tu t'exprimes poliment et qu'il ne m'intéresse pas après, on va t'enlever le dimanche. Comme tu vois, tu peux le faire. Mais si tu as besoin d'être au milieu, tu vois aussi, arrête pas, mais c'est pas important. Donc, même si ton gabarit, tu n'as pas son gabarit, c'est ça. Même s'il est cool, même comme moi, tu. Merci pour l'intervention. Moi, c'est Auguste. Enchanté, Charlie. Enchanté, Charlie. Oh, la prestance, le charisme est là. Oh là là. Donc, c'est à cause d'hier, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Donc, ce qu'on aimerait savoir, et nous, c'est de l'autre aussi, est ceci. Lorsqu'un garçon t'accoste, un garçon en route t'accoste pour la première fois, quel est le premier critère que tu regardes chez lui? Avant d'être. Lorsqu'un garçon t'accoste en route, non? Quel est le premier critère que tu regardes chez lui quand il t'accoste?
le physique. Comment? De manière globale, tu vas décrire comment? Court, mince, noir, chaud, beau comme moi ou bien? Pas de taille moyenne, noir. Ouais, le reste, c'est complètement pas compliqué. Sans une taille moyenne. Il y a quelqu'un qui a sa taille. Je veux dire, le gars est. Il s'exprime, il bégaye. Il n'y a pas de problème. Ça, non. Non, il n'y a pas de problème. C'est pas vraiment. Il y a beaucoup de. Non, le cœur aussi. Il bégaye. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'est l'expression orale compte aussi. Quand un garçon s'exprime bien, ça compte bien. Quelqu'un qui a dit que c'est carrément ça qu'elle regarde. Il va aussi ça. C'est qu'il y a une fille qui a dit que c'est l'expression orale qui est plus importante que tout. Donc c'est un garçon bégaye, si on t'a dit. C'est important, mais c'est pas trop important. Moi. Mais comment c'est le physique alors? Il est qu'il y a un peu quoi ta taille, un peu mignon comme moi, noir, le reste ça va. Ok, je te remercie. Samira. Samira, enchantée Samira. Si je t'accoste là aujourd'hui, c'est par rapport à notre chaîne YouTube Ragoje. Mes internautes et moi aimerons savoir quel est le premier critère. Qu'est-ce que tu regardes lorsqu'un homme vient vers toi te draguer? je sais pas. Pardon? Essaie un peu de bêcher ton cachet. Ah, il y a le Covid. Je sais pas, hein. Je sais pas comment. Donc, s'il vient là, quand on passe, s'il vient là, il sent et ouais, tout. Qu'est-ce que tu regardes? Son allure, son apparence. Son allure, son apparence. C'est d'abord ça que tu regardes. Donc, déjà, il est charismatique, il est avec un talent, il démarche, un genre là, c'est là ou non? Tu sais que celui-là, c'est le bon. Non, mais tu sais pas si c'est le bon, mais déjà, c'est. Bon, voilà. Ok. La voix des sans voix, le clairreur de conscience africaine.